Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va parler de la meilleure paire de jumelles possible. On va parler des 1042, c'est un petit peu le modèle standard. On est dans des produits plutôt haut de gamme évidemment, donc les plus jeunes qui regardent cette vidéo, peut-être que ça leur parlera moins en termes de budget. Donc je pense bien à vous, hein, mais on devait être sur des produits au-dessus de 2000 euros, donc à moins d'être trader, footballeur ou d'avoir une profession malhonnête, il faudra peut-être attendre un petit peu avant de se payer ce genre de paire de jumelles. Je fais juste un préambule quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de paire de jumelles à des tarifs supérieurs à 2000 euros. Ça peut paraître un peu fou dans la mesure où on peut aller chez Decathlon et trouver une paire de jumelles à 200 euros. On peut se demander ce qu'il y a de plus. En fait, ce genre de paire de jumelles ne s'adresse peut-être pas à monsieur tout le monde. Soit effectivement, il faut avoir les moyens financièrement de se les payer, ou alors pourquoi pas, il faut avoir un usage fréquent. Pour des gens qui vont utiliser leur paire de jumelles toutes les semaines, par exemple, finalement, c'est pas absurde de mettre ce genre de budget dans un domaine que je connais bien aussi, l'astronomie. On a vite fait d'être sur des budgets de cet ordre de grandeur et même bien au-delà pour sa passion. C'est de l'optique, ça coûte cher, c'est comme ça. Bon, bref, ça c'était juste pour le préambule. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quand on va parler des meilleures paires de jumelles, il n'y a pas vraiment de surprise. En fait, on va aller taper dans le trio de tête haut de gamme qui est Leica, Swarovski et Zeiss. Chez Leica, c'est la Noctivid qui est sortie en 2016 de mémoire. Chez Zeiss, c'est la Victory SF qui est sortie en 2014. Ça commence à dater déjà, l'air de rien, le temps passe vite. Et chez Swarovski, on a la NL Pure qui est sortie plus récemment. J'ai plus la date de sortie en tête, mais ça fait juste il y a quelques années. C'est vraiment un produit encore assez nouveau. Alors, il y a ces trois paires de jumelles, évidemment, elles sont en concurrence. Et en fait, on va voir, elles ne s'adressent peut-être pas exactement aux mêmes personnes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je pourrais parler pendant une heure de ces paires de jumelles sans aucun problème. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous résumer un petit peu à qui s'adressent ces paires de jumelles. Chez Leica, la philosophie, c'est d'avoir une correction de l'image avec des déformations géométriques dans l'image, et c'est volontaire dans la mesure où si on fait un balayage d'une scène comme ça, panoramique, mais en fait, si on fait ça visuellement, en fait, on a des points de fuite en bord de champ de vision, et en fait, c'est plus naturel d'avoir une déformation de l'image en coussinet. Donc dans les Leica, il y a ce genre de déformation. Leica prétend que ça donne moins mal à la tête, etc. Dans des paires de jumelles qui n'ont pas cette caractéristique-là, moi, j'ai jamais eu mal à la tête, mais après, ça peut être un avis très personnel et très subjectif. Les Leica, leur point de force, c'est la résistance à ce qu'on appelle les flares, c'est-à-dire les lumières parasites, en particulier si on observe une scène avec le soleil en bord de champ, ou alors si on a de l'eau avec le soleil qui se reflète, ça fait des sources de lumière très fortes dans le champ. Et en fait, dans pas mal de paires de jumelles, on va avoir des reflets à l'intérieur de la paire de jumelles qui vont abaisser le contraste. Et c'est notamment le cas des Swarovski, on va y venir, c'est un peu leur point faible. En tout cas, Leica a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Sur les Noctivid, on a un autre point fort, c'est qu'on a une paire de jumelles qui est très trapue, très compacte. Alors ça a une qualité, évidemment, c'est que la paire de jumelles est plus légère, peut-être plus agréable à manipuler. Il y a un côté un peu ergonomique comme ça qui est agréable. Il y a un défaut, c'est que si on veut faire une paire de jumelles compacte, ça veut dire que la distance focale des objectifs, c'est-à-dire la distance entre l'objectif et l'endroit où se forme l'image, va être plus petite peut-être que sur d'autres paires de jumelles. Et ça induit des défauts qu'on appelle des défauts de chromatisme, c'est-à-dire que l'image de chaque couleur ne va pas se former exactement au même point. Et en fait, quand on fait des mesures sur banc optique, on voit que les Leica, en l'occurrence, ont un peu plus de chromatisme que leurs concurrentes chez Zeiss et Swarovski. Du coup, sur les Leica, ma recommandation, en fait, moi, j'ai pas trop de réserve pour les Noctuvid, c'est vraiment un bon produit, ça, il n'y a pas de problème. Mais ma recommandation, ce serait plutôt de les prendre en 8-42 que de les prendre en 10-42. En 10-42, on grossit plus, donc on va voir ce défaut un petit peu plus fortement. Et pour moi, dans l'esprit, du coup, les Leica sont plutôt des jumelles qui vont s'adresser à un public de chasseurs, c'est-à-dire de gens qui vont utiliser leurs jumelles aux extrémités de la journée. Si on a des 8-42, on a une pupille de sortie qui est un peu supérieure à 5 mm. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est une pupille de sortie, etc., si vous ne savez pas, mais simplement, ça vous dit que la performance au crépuscule est meilleure. C'est un peu logique, en fait, hein. Si on grossit moins, on va moins agrandir l'image sur la rétine et donc on va mieux concentrer la lumière.
Donc les Leica, pour moi, pas de réserve, mais plutôt en 8-42 et plutôt pour un public qui va chercher de la performance crépusculaire et qui va chercher à pas être trop embêté par ces histoires de lumière parasite. Après, on peut parler de la NL Pure. Alors D3, c'est la seule que j'ai sous la main. Donc là, c'est vraiment la plus récente. Alors la grosse différence entre la NL Pure et la Leica, par exemple, ça va être le champ. Hein. On a un produit qui est plus récent de conception et c'est vraiment là-dessus que Swarovski a communiqué. Sur la Leica, on avait un champ de 112 mètres à 1000 mètres. Ici, on passe à 133 mètres. Je vais reprendre mes notes pour être sûr de ne pas dire une bêtise. Oui, c'est ça, c'est 133 mètres à 1000 mètres sur les 10-42. Et sur les 8-42, on est même au-delà de 150 mètres à 1000 mètres. Donc c'est énorme, c'est le record du marché à l'heure actuelle. Donc évidemment, si le critère de choix, c'est d'avoir du champ, cette paire de jumelles est un bon choix. Swarovski s'est un peu inspiré de Zeiss, c'est-à-dire qu'on a le centre de gravité vers l'arrière. Là, si je tiens ma paire de jumelles au milieu, on voit qu'elles ont tendance à tomber vers l'arrière. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça veut dire que naturellement, la paire de jumelles va s'appuyer contre les yeux. Et Swarovski a rajouté une option qui est payante. Malheureusement, c'est un peu dommage. On aimerait bien que ce soit fourni d'origine. Mais donc, il y a ce petit ergo qu'on peut clipser avec des adaptations mécaniques qui ressemblent un petit peu à des mini jacks. Et en fait, ça va offrir un troisième point d'appui contre le front. On peut ajuster en fonction de l'utilisateur la distance. Et donc, on a beaucoup plus de stabilité. Donc ça, c'est assez malin. Pour moi, il y a un défaut quand même chez Leica, Zeiss ou Swarovski, c'est de ne pas avoir de paire de jumelles stabilisées. Enfin, du moins, il y en a une chez Zeiss, mais c'est un produit assez gros, assez lourd, un peu exclusif. En tout cas, dans les paires de jumelles de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas. Et donc, c'est important de maximiser vraiment ces histoires de stabilité. Et donc, le centre de gravité vers l'arrière et cet appui supplémentaire, c'est vraiment, vraiment bien joué. On voit sur les Swarovski qu'on a aussi une ergonomie assez travaillée sur la prise en main, le flux est aminci. Et ça, c'est fort, hein, parce que les prismes sont à l'intérieur, ça prend de la place. Et donc, ça, c'est plutôt assez bien joué. Pour le reste, on retrouve la caractéristique qu'on attend d'une paire de jumelles Swarovski, c'est-à-dire qu'il y a un aplanisseur de champ. Un aplanisseur, qu'est-ce que ça permet d'avoir? C'est la même mise au point au centre du champ et au bord. Et en plus, on a une bonne qualité d'image au bord, malgré ce champ immense de 133 mètres à 1000 mètres. Donc là, de nouveau, c'est bien joué pour Swarovski. Et on a une bonne neutralité des couleurs. Pour moi, c'est un peu aussi la marque de fabrique de Swarovski. Donc cette paire de jumelles, pour moi, c'est un peu tout bon, sauf cette histoire de reflet parasite, là, pour le coup, c'est la moins bonne des trois paires de jumelles dont on parle dans cette vidéo. Donc, voilà, si on a des usages, je sais que dans le public des chasseurs, notamment, les gens peuvent être assez sensibles à ça. En ornithologie, si on observe dans des zones où il y a de l'eau avec des reflets du soleil, ça peut être quelque chose à avoir en tête, ça peut être un petit défaut auquel on va être sensible. Après, pour plein d'autres usages, avoir ce champ large, c'est aussi bien. Et je sais qu'en ornithologie, pour faire du comptage, il y a des gens qui apprécient d'avoir un champ très large. Donc, c'est aussi un argument. Après, chacun à chacun de voir en fonction de ses besoins, de ses usages. Ensuite, on a la Zeiss. En fait, j'en parle en dernier, parce qu'en fait, la Zeiss, c'est presque une synthèse entre les deux. C'est-à-dire que la Zeiss a un champ un peu plus large que la Leica, avec 118 mètres à 1000 mètres. On a un aplanisseur comme dans les Swarovski, donc ça c'est vraiment très bien. On a vraiment une belle qualité d'image au bord et au centre. On a une neutralité des couleurs qui est un peu moins bonne que chez Swarovski. Et chez Leica aussi, on a une neutralité des couleurs qui n'est pas parfaite, mais légèrement meilleure que chez Zeiss. Donc Zeiss, son petit point faible, ça va être ça. Ça va être au niveau de la neutralité des couleurs. Son point fort, je l'ai évoqué là, c'est qu'on a le centre de gravité vers l'arrière. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le concept d'ergo balance. Donc les oculaires viennent s'appuyer naturellement contre les yeux. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. On a une excellente transmission de lumière. Sur la Swarovski, on a 92% de transmission mesurée dans le verre. Sur la Leica, 92%. Et sur la Zeiss, j'ai mesuré 96% dans le verre. Alors, il peut y avoir des erreurs dans les mesures. Peut-être que c'est 95%. Enfin, on peut avoir une incertitude de 1%. Mais c'est assez impressionnant, en fait, hein, parce que tout ça, ça tient à des traitements optiques, notamment sur les prismes, etc.
Donc c'est vraiment un très très beau produit. J'avais eu l'occasion de visiter l'usine Zeiss, ils nous expliquaient qu'ils pouvaient aller jusqu'à 70 dépôts de couches sur certaines surfaces optiques, donc de couches minces de traitement optique. Ça vous explique aussi pourquoi ces produits coûtent cher. Et encore une fois, si c'est une paire de jumelles qu'on va utiliser toutes les semaines, et puis là on est sur des produits à des niveaux de gamme tels qu'on va peut-être les garder, peut-être pas à vie, mais en tout cas une bonne partie de sa vie, et puis si on a un usage une fois par mois, ça va être carrément à vie. Je sais pas de quoi sera fait le marché des jumelles dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est difficile d'imaginer qu'on aura des jumelles incroyablement meilleures que ce qui se fait aujourd'hui, puisque là aujourd'hui on touche vraiment à la perfection avec les trois paires de jumelles que j'évoque là. Les Zeiss, voilà, le petit point faible, c'est cette neutralité des couleurs, mais pour le reste, en fait, on a un peu un compromis, je dirais, entre la Leica et la Swarovski, sachant que la résistance aux flares, aux lumières parasites, est meilleure que sur la Swarovski. Elle n'est pas aussi bonne que sur la Leica, mais elle est quand même déjà d'un bon niveau. Donc on prend un petit peu des qualités de chacune de ces paires de jumelles et on en fait la synthèse. Elle se situe un peu quelque part au milieu. Revers de la médaille, là, on a une bonne correction du chromatisme. On a une paire de jumelles qui est un petit peu encombrante. Donc ça va être un peu son défaut par rapport aux deux autres. C'est pas non plus des différences énormes. Hein. Si vous allez dans une boutique ou dans un salon, n'hésitez pas à prendre ces produits en main, à les regarder, à les comparer. Vous verrez, quand je dis plus encombrante, il n'y en a pas une deux fois plus grosse que l'autre. Hein. C'est simplement un peu plus long, quoi. Et finalement, alors, au niveau des tarifs, là, on est très haut. Hein. Moi, j'ai relevé autour de 2500, 2700 euros pour la Leica. Sur la Swarovski, j'ai noté 2900 euros. Donc là, c'est vraiment la plus chère des trois. C'est pas étonnant. Hein. C'est aussi la plus récente. C'est aussi celle qui a le champ le plus large. Donc là, ça va très, très haut. Sur la Zeiss, j'ai relevé entre 2600 et 2900 euros selon les sites de vente. Si vous voulez comparer des prix, enfin aller voir des prix, moi j'ai regardé sur AstroShop, il y a des liens d'affiliation en description si vous voulez utiliser ce site-là. Ça peut m'aider moi à produire ces tests-là. Sur AstroShop, j'ai vu seulement la Swarovski qui était bien placée, les deux autres, on va trouver moins cher ailleurs. Vous pouvez aller voir Cosmodif, la clé des étoiles, vous pouvez aller voir Europe Nature Optique. Je vous conseille dans tous les cas plutôt d'aller voir des boutiques qui ont pignon sur rue plutôt que n'importe quel site web ou peut-être qu'il n'y aura pas d'interlocuteur en cas de problème. Allez voir des gens bien installés. Il y a aussi la Maison de l'Astronomie à Paris. C'est une très très bonne adresse. Il y a beaucoup de produits en boutique, donc vous pouvez les voir, les comparer. Après, si vous allez là-bas, bah, achetez là-bas quand même, parce que ça peut leur arriver de temps en temps d'avoir des clients qui poussent la porte du magasin, qui regardent les produits, et puis après ils vont acheter sur web. En termes de correction, ça le fait pas. Effectivement, on peut peut-être gagner 100 euros en achetant ailleurs, mais après, dans le magasin, il y a aussi le conseil, le temps consacré, la disponibilité des produits, bah, ça se paye. Un pas de porte rue de Rivoli avec des gens dont c'est le métier qui peuvent donner des conseils, tout ça, ça a un coût. Et c'est normal de rémunérer ce qu'une boutique comme ça va apporter par rapport à des boutiques web qui ont pas pignon sur rue. Alors, j'ai dit au départ que j'allais parler de trois paires de jumelles. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y a une quatrième paire de jumelles que je veux évoquer, mais on va rester dans ces trois marques. En fait, chez Swarovski, le haut de la gamme, jusqu'à la sortie de la Nail Pure, c'était la Swarovski EL. C'est un peu elle qui a imposé son rythme au marché, qui a poussé Zeiss à sortir la Victory SF, qui est vraiment une réponse à la Swarovski EL. Et en fait, la Swarovski EL, elle est toujours au catalogue. Et ce qui s'est passé, en fait, je vous ai évoqué le tarif de la NL Pure. On est proche de 3000 euros, ça pique quand même un petit peu. Mais du coup, en sortant la NL Pure, Swarovski a abaissé le tarif de la Swarovski EL. Et en fait, ça devient presque le bon plan dans ce segment-là, la Swarovski EL. La Swarovski EL, elle a un champ comparable à la Leica. Elle a, alors son seul défaut quasiment, en fait, c'est le centre de gravité qui est plutôt vers l'avant. La Leica a un centre de gravité plutôt vers le milieu, la Zeiss a un centre de gravité plutôt vers l'arrière, pareil pour la NL Pure. Et à l'époque où la EL est sortie, c'était pas forcément la chose auquel les concepteurs pensaient. Aujourd'hui, ça semble évident depuis la Victory SF, mais jusque-là, on n'y pensait pas. Et donc, elle a ce petit défaut d'ergonomie, ce centre de gravité un peu vers l'avant. Après, pendant des décennies, on a fait avec des paires de jumelles qui avaient le centre de gravité vers l'avant. C'est logique, hein, dans une paire de jumelles, ce qui pèse le plus lourd, c'est les prismes et l'objectif. Les oculaires sont plus légers.
Les prismes, ils vont être vers le milieu, l'objectif, il va être vers l'avant. Donc vous avez les doigts à peu près là où se trouvent les prismes. Donc les prismes ont tendance à être plutôt équilibrés, mais normalement, le poids, il est plutôt déporté vers l'avant par les objectifs. Donc il faut pas mal d'astuces quand même à la conception pour réussir à remettre du poids vers l'arrière avec la mécanique, peut-être en déportant un peu les prismes, etc. Donc c'est tout ça, c'est quand on voit la paire de jumelles, ça a l'air simple, hein, mais en fait, c'est autant de choses un petit peu compliquées. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère avoir été synthétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, le choix d'un modèle ou de l'autre va dépendre de votre priorité. Donc retenez que la résistance au flair, c'est Leica sans hésiter. Retenez que la neutralité des couleurs et le champ large, c'est Swarovski sans hésiter. Et retenez que si vous voulez un peu de toutes ces qualités réunies dans un seul produit, il faut aller plutôt vers la Zeiss qui va être, on va dire, parfaite nulle part, avec notamment une neutralité des couleurs un peu en retrait par rapport aux autres, mais un peu une synthèse quand même des qualités des autres. Et peut-être un dernier mot pour finir, il y a beaucoup de passion autour de ces marques, et puis il y a des gens à fond sur Zeiss, à fond sur Leica, à fond sur Swarovski. Ça dépend aussi des domaines dans lesquels on navigue, entre la nature, entre la chasse, etc. Il y a des marques un peu adulées dans certains domaines et dans d'autres. Il y a aussi des choses qui se disent dans certains domaines qui ne sont pas toujours vraies d'ailleurs, mais bon. Si on doit faire parler la subjectivité, ce que je veux dire par là, c'est que si son rêve c'est d'avoir une paire de jumelles Leica, bah à la limite, peu importe si la Swarovski fait mieux sur ci ou ça, si la Zeiss fait mieux sur ci ou ça, si le rêve c'est d'avoir une Leica, prenez une Leica, si le rêve c'est d'avoir une Zeiss, prenez une Zeiss. C'est des beaux produits qui font rêver, c'est des gros investissements, donc il ne faut pas négliger la part subjective. J'imagine un peu comme les gens qui achètent des belles voitures. À la base, au départ, il n'y a pas plus de raison de préférer une Porsche à une Ferrari ou à une Jaguar. Ce qui va parler, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est la passion, c'est l'envie, c'est le rêve, c'est la subjectivité, en fait, tout simplement. Donc, si je vous ai donné les critères objectifs, mais si vous n'avez qu'un critère subjectif qui vous fait préférer une de ces marques-là, bah, oubliez un peu tous ces tests, tous ces chiffres, etc. et allez simplement à l'essentiel, on va dire, qui est votre cœur et votre subjectivité. Donc voilà, pour finir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à suivre cette chaîne si vous voulez être tenu informé des nouveautés sur cette chaîne, qui ne parle pas que de jumelles, ça parle aussi d'astronomie. Mais à l'avenir, je vais essayer de mettre un peu plus de vidéos sur les jumelles. C'est un peu une question de temps, hein, donc il faut trouver du temps pour faire ces vidéos. Ça a l'air simple, mais il faut tester le matériel, réunir les données, prendre le temps de faire les vidéos, etc. Enfin, tout ça, c'est pas neutre en temps, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, n'hésitez pas à encourager la chaîne. C'est toujours utile et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt.